Bonjour tout le monde, c'est Tamtez, on se retrouve pour un nouvel épisode de Sonic Unleashed. Et on doit se rendre en Spagoni. Bon, je crois. Attendez, je vérifie quand même, hein. Ouais, c'est bon. Found you, Sonic! Oh, Sonic, I've been looking for you forever! Hey, let me go! You're crazy if you think you can get away from Amy Rose and... Who are you? Oh my gosh, I am so sorry! Curie, le coup de main a envoyé Sonic à 5 mètres. That is so strange. I could have sworn it was him. Anyway, I'm really sorry. See you later! Well, that was weird. How come that girl didn't know you were you, Sonic? I mean, I guess you are kinda, you know. And, these guys? Oh, I mean, don't worry. Hey, you only look really scary, Sonic. Inside, you're the same as ever. I guarantee it, okay? Sonic, cheer up. Chocolate. Want some chocolate? Et voilà, j'ai pas encore dit le mot de trop, c'est pas sympa. Ah, y'a personne ici. On va acheter la baguette, allez. Les gens changent de tout au tout. D'ailleurs que si t'es neutre, ça veut dire que tu restes neutre. Ah bah effectivement, là... Il y a l'assistant qui est devenu une racaille. Hein. Ah oui, là, c'est devenu une grosse racaille, hein, clairement. Vous voyez, hein, Sonic, il est sauvé. Enfin, il est sauvé des les gens ne crient pas en voyant Sonic pour une raison toute simple. Il est fluffy et ça, ça compte beaucoup. Sans blague. C'est-à-dire qu'on a le choix. Soit on va en Spagonia, soit on va en Alaska. Là, il y a Spagonia, c'est là. Chips, je me suis encore goué. Alors, on va un peu partout. Oh, j'ai obtenu de la musique, c'est trop bien. Au moins, on ne chante pas, c'est bien. On gagne des CD. Les CD sont très importants. Ah bah voilà, on a obtenu une tablette. C'est très très bien. Ok, je fais juste des tests de micro pour voir si quand je tape là-dedans, ça fait du bruit. Attention les oreilles. Ça fait du bruit. Ok. Au moins, des gamins nous ont donné l'accès au temple sacré. Et ça, c'est bien. C'est très très bien.
Mais oui, Sonic, à où à toi aussi. Voilà, il y a Chip qui ouvre la porte. C'est très très bien. Regarde si j'ai pas perdu trop de temps en vidéo, c'est bien. Allez, on casse les tonneaux. On casse les tonneaux. Bon, c'est du bleu, c'est pas forcément très intéressant. Ah, un petit peu de rouge, c'est bien ça. Alors vous... Vous êtes fichu. Voilà. J'avais prévenu, vous êtes fichu. Alors celui-là était bien caché. Faut l'avouer. Bon, faut vérifier qu'il n'y en a pas un petit peu partout des trésors. Hein. Après tout, je vais essayer de faire le... Voilà, ici il y en a un autre, celui-là je le savais. L'autre je m'en rappelle plus du tout. Mais où vous êtes? Oui, ça je m'en doute un peu qu'il fallait frapper, mais bon. Hop. Hop. Ah ouais, c'est vrai, je les bats pas d'un seul coup. La force n'est pas assez forte. Voilà. T'es fichu. Non mais Sonic, tu vises pas, c'est... Maintenant, on va poser cette caisse ici. On regarde s'il n'y a pas de truc à droite. Il n'y a rien à droite. C'est bien. Ici, on vérifie qu'il n'y a pas de truc. Il y a du rouge, c'est très bien. Livre XP. Ici, je suis sûr qu'il y a un secret. Ouais, ok, c'est que le rouge. En fait, je regarde les décors et quand même, c'est bien fichu. Et je confirme que c'est... Là, c'est un gros cliché français, la culture et tout. Et là, il y a une version modifiée de Notre-Dame. Ok. Enfin, je suppose. Ok. Voilà. Alors toi. Ah ok, je peux pas encore frapper comme je veux. Hop. Voilà, bien frappé comme il faut. On fait qu'il y a rien à gauche. Mais je suis à droite déjà. N'empêche, envoyer les ennemis dans tous les sens comme ça, ça rajoute de l'inertie, c'est bien. Bon, après, hein, en regardant le décor, j'imagine pas que ces fruits soient hyper frais quand même. Hein. Bon. On va monter. Là, il y a du rouge. J'y étais presque. Là, il y a du rouge. Voilà. Bon, là, clairement, c'est pas compliqué. Et toi, le secret, je t'ai vu, t'es pas discret. Hop. Voilà, ça c'était facile. Ensuite, on va à droite. On prend le secret, c'est important. Je suis sûr que c'est un CD ou un truc comme ça. Et on se laisse tomber ici. Et voilà, on a ouvert la porte. Ok, on vérifie qu'il n'y a pas d'objet caché et tout. Ici, il y a des ennemis.
Ah mince. Non, c'est bon. Mince. J'allais dire j'ai raté la guêpe, mais non, elle était déjà morte, c'est bon. Attendons, admirer ces arbres de .png. De loin, c'est pas alarmant quand même. Ça va. C'est assez discret. Et on tire. Voilà. Ici, il y a l'objet. Voilà. Bon, après, quand je suis pas doué pour faire des sauts, ça le fait pas. Effectivement. Alors, du coup, on retourne par là. On va en arrière. Parce que je suis sûr qu'il y a un truc en arrière. Bon, c'est du rouge. Mais quand même, ça compte, on va dire. Il y avait un truc. C'est juste, moi, j'ai pas su lequel, c'est tout. Bon, là, c'est pas compliqué, hein. Il y a des objets cachés. Alors je vérifie qu'il n'y a pas d'objets ici, c'est bon. N'empêche, ça doit être bien quand même les bancs sur dans les airs comme ça. Alors on vérifie qu'il n'y a pas d'objets cachés ici. La chute était volontaire, absolument. Très bien, il y avait un objet. N'empêche, ils ont fait des efforts quand même au niveau décor. Regardez. Le petit café là, il doit être agréable et tout. Et hop, on y retourne. J'ai eu ma capsule de rouge. C'est bien. Ah oui, c'est vrai, je l'ai one-shot plus maintenant. Je l'ai totalement zappé. Alors toi, pas discret. Je me laisse tomber, on va à gauche. Il n'y a rien. Dans ce cas, je vais par là. On vérifie bien partout. Nickel. On n'a plus qu'à monter. Tourner à gauche, sauter. Foncer. Se laisser tomber. Il y a du rouge, c'est parfait. Là, je m'en doutais qu'il y avait un truc. J'ai bien fait, vous voyez, je suis bien tombé quand même. Allez, on va remonter, tranquille. Ici, il n'y avait rien, c'est vrai. Et on monte. Hop. On va presque jusqu'à la fin, on va un petit peu en diagonale, et on se laisse tomber ici, parce que vous voyez l'objet ici, bien caché, et tout. Je vous avais dit qu'ils étaient fous quand même pour cacher les objets. Il y en a pas un là. Ah là, ça aurait été vraiment très fourbe. On tourne une, deux fois, parfait, et on n'a plus qu'à... Parfait. Note S direct. Note S. Étape terminée et tout. Et hop, on a l'amélioration. Du coup, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 objets en un seul stage, c'est très très beau. C'est très 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 beau. Je vérifie. Ça fait que un petit cadavre, parfait. On vérifie en arrière, hein. Toujours, c'est bon. On saute. On vérifie un peu partout, on saute. Bon, là c'est que du bleu. Là, il y a un petit peu de rouge, c'est bon. Ah, c'est bon, maintenant j'ai double shot.
Est-ce qu'on peut jeter par... On a l'air de pouvoir jeter par-dessus bord. C'est bien. Allez, je vais essayer. Oui, on peut. Ok. C'est un truc que j'adore faire, ça. Allez, au revoir. Voilà. Nickel. Normalement, les points devraient venir. Nickel. Voilà. Toi. Mince. Toi, je te jette. C'est bon. Tranquille. Ah, il y en a encore. Vous, c'est pas compliqué. Au revoir. Bon. Ils ont pas voulu. Ils ont pas voulu dire au revoir. Du coup, je les frappe comme ça. Ça va suffire. Puis là, il y a du rouge. C'est très bien. Ouais, c'est très compliqué là. C'est bon, maintenant j'ai double shot. Alors ça, c'est pas compliqué, non. Je crois que j'en ai cassé une. Mais ça va, ça suffit. Et hop, c'est reparti. Là, c'est pas compliqué. Bon, c'est pas du rouge, tant pis. Voilà, objet secret, nickel. On fait bien gaffe les côtés. Là, il y a un côté. Nickel. On a l'objet secret, ce qui est très très bien. Ok. Voilà. Nickel. On ramasse bien tous les anneaux. On casse bien toutes les caisses. On ramasse les rings pour la vie. Qui n'est pas encore très grande là. Bon là c'est un peu exagéré quand même. Mais en plus c'est un mage. Voilà. Toi, t'es pas compliqué. Voilà. En haut, il y a un truc. Mais je vais devoir passer comme ça. Ok. Ça, c'est pas compliqué. Voilà. Nickel, no damage. Alors, toi, t'es pas sympa. Et le fait de pas pouvoir passer en dessous, c'est pas sympa. Enfin, par en dessous, c'est pas sympa. Alors, les 5 rings, je les prends. Hein. L'argent, c'est l'argent. Ou selon ma théorie, l'énergie, c'est l'énergie. Hein. C'est notre avenir. Faut l'économiser. On va pas laisser traîner sur les toits comme ça. Voilà, on appuie sur le bouton Yo. Ça ouvre la porte, on passe par la porte. Voilà, nickel. 3 médailles de soleil. Le parfait, c'est parfait. C'est bon, j'ai obtenu une de mes attaques préférées. J'ai obtenu une de mes attaques préférées, c'est impeccable. Ouais, je continue largement.
on vérifie en arrière, on vérifie en avant. J'ai bien fait. On monte. Voilà, voilà pourquoi c'est un petit peu copié aussi de la robe antique. Enfin, de l'Italie. Il y a des aqueducs. Bon, ça, c'est, clairement, c'était pas forcément très nécessaire. On prend les anneaux. Sonic, tu passes. Merci. Alors ça, Sonic, tu fais ça comme ça. C'est très très bien. Tu fais... Parfait. Ah, dommage, c'est que des trucs volants. Je peux pas les jeter par-dessus bord. Je peux pas faire mon activité préférée. Voilà, nickel. Et voilà, maintenant je peux faire ça. Et ça c'est très bien. Et 1, 2, 3. Voilà, nickel. Maintenant il y a un monsieur comme ça qui va apparaître. Oui, celui dans l'autre sens, ça veut dire qu'il y a un objet. C'était pas l'objet que je voulais, mais ça va suffire. On se dépêche. Nickel. On se balance. Sur ce petit ami, qui est tout à fait sympathique, hein. Et on voit même pas de laser. C'est très bien, c'est très gentil. Maintenant, on va dans l'autre sens. Je pense pas que se jeter dans le vide, ça sera plus rapide. Là, il y a des trucs, hein. Parfait. Bon, là, clairement, faut faire comme ça pour aller plus vite. On reste en bas parce qu'il y a sûrement des trucs à explorer. Parfait. Il y a bien un objet ici. Et je suis sûr qu'il y en a un en bas aussi. Bon, là c'était obligatoire. Mais ça va. 1, 2, mince. 1, 2, 3. Ouais, on peut plus, on peut frapper les ennemis comme ça, c'est très bien. En plus, c'est beaucoup plus facile de les frapper comme ça, ces amis. Alors, on se dépêche pour monter. C'est un bel aqueduc, quand même. Hein. Très bel aqueduc. Au moins, on fait du tourisme. Ce qui est quand même très très bien. Alors, ici, on monte. Tout ce qui est le plus simple. Hein. Sonic, dans l'autre sens. Voilà. Là, on tombe pas. On ne tombe pas. On ne tombe pas. Caméra, ne fais pas de bêtises. Parce que là, ma direction dépend uniquement de toi. Un petit peu de rouge. C'est très bien. Et le rouge. Prenne. Et le rouge. Très bien. On prend l'objet secret. Parfait. On attend la plateforme du début. Bah ouais, sinon on est obligé de tomber dans le vide, ce qui est pas forcément une très bonne chose. Bon, là c'est pas compliqué. Caméra, tu fais pas de bêtises. Nickel. On peut même faire du saut d'obstacle, ce qui est très bien. Regardez. Là, hop, on saute au-dessus de l'obstacle. C'est le JO avant l'heure, vous voyez. Quoique le jeu est sorti en même temps que les JO. Que les JO de 2008. Du coup, je pense qu'il y a un lien quand même.
Il y a un lien, je suis sûr. En plus, il y a Sonic. Les jeux 2008. C'est la première fois que Nintendo a payé des bifetons à Sega pour faire un jeu. Avec Sonic, je parle évidemment. Ici, il y a un truc. La vache. Au moins ça fait gagner du rouge, c'est bien. Tu l'es du bleu pour gagner du rouge. Et après il suffit de faire ça. Voilà. Et on le laisse. Par terre. Comme un caca. Là, vérifie qu'il n'y a pas de truc caché. Non, ça va, il n'y a pas de truc caché. Et on a les trois médailles. Ce qui est très bien. Très très bien. Et j'espère qu'on est à niveau suivant. Même pas, il nous manque 1020. Ce qui est pas sympa. Voilà, nickel. On a gagné un fragment. Ah bah ouais. On t'a trouvé en Grèce, je suis sûr qu'en Alaska, on va te trouver. On va trouver quelqu'un qui te connaît, forcément. Mais. Ça sera dans le prochain épisode. Parce que Cliffhanger. À bientôt tout le monde.